nous comprenons le point de vue voilà, sur le dossier USCC. Mais il y a une chose qu'on a oublié, c'est que USCC avait invité le docteur Reginald Boulos pour être entendu sur une affaire. Ok? Maintenant, Reginald Boulos parlait. Et puis, le directeur USCC a mandé la police mener Reginald Boulos Bali. Ok? Mm-hmm. Maintenant, question par cœur, c'est là, par exemple, non, dossier quelconque. Par exemple, dans le premier cas, et le premier dossier de Reginald Boulos, c'est également le sénateur de la torture, qui a gagné devant USCC, qui a un rapport avec Ona. Mm-hmm. C'est là, par exemple, les invités, ils ont venu, qu'on y a USCC maintenant qui a pris. Si USCC vient de venir, qui n'est pas normal, il voyait le dossier devant le cabinet d'instruction. Mm-hmm. Mais dans le dossier Reginald Boulos, c'est que l'ULCC a invité le docteur Boulos et il ne s'est pas présenté à ULCC. Maintenant, c'est l'ULCC comme essence, justement, et Capmé, l'enquête qui est pouvoir ça, il demandait pour la police mener Reginald Boulos Bali en état. Mm-hmm. C'est pas mal. Et bien, devant la justice, c'est ça. Maintenant, la question, est-ce qu'on y a. Loi qui régit le fonctionnement de l'ICCA, qui crée l'ICCA, est-ce que le bali pouvoir ça? S'il invite au monde n'a pas fini, est-ce que le camarade de la police mène le monde en état? C'est là où dit. Alors, moi, il visait un article dans la loi qui crée l'ICCA. Très bien, monsieur Salim aussi gagné. Pour l'ICCA, nous voulons un dossier devant la justice. Il faut que d'abord il fasse une enquête et le sujet que le dossier est à bras clair. Mm-hmm. Et puis il voit qu'on est devant le cabinet d'instruction pour la justice faire le travail. Voilà. Mais le dernier voilà. Cas du docteur Reginald Boulos, Ola, c'est que c'est l'ICCA qui a invité Reginald Boulos. Qui n'est pas venu? Mais, Louko, moi, ça a répété dans le pays plusieurs fois, côté que la justice, ou du moins c'est des institutions, notamment ULCC, fait des invitations à des mounes, et puis pour une raison ou l'autre, les mounes n'ont décidé pas de venir. Est-ce qu'on a considéré, est-ce qu'on a continué comme ça tout dans un pays côté n'a fait état de droit? Nous dit n'a fait état de droit. Nous ne pouvons pas continuer comme ça dans le pays. Et puis autre chose également, il y a des nègres qui ont affaire avec l'USCC. Bon, c'est les États-Unis, je ne connais pas ce ni avec FBI, ni avec. Aucune autre institution. Aucune autre institution. Mais pour aller en côte, ou pour aller, ou aller, et l'on parle, généralement, ils voyaient d'ailleurs, on dit des conséquences. Bien entendu, information nous était ici en matin de débat. Vendredi, nous avons confirmé que depuis Reginald Boulos, Dr. Reginald Boulos, à l'USCC, ils ont apparité, et nous avons confirmé l'information, ça, vendredi, en matin de débat. Maintenant, est-ce que c'est pas ça qu'on est qui fait que le parler, donc préférer que comme Dado lui prend distance et lui camper loin, au lieu que la porte de Dibanego là pour négocier, monsieur, parce que pas que le dossier du docteur Boulos, ils sont dossier politico-administratif, est-ce que lui en même temps dossier politique et également un dossier administratif. Mais sur le plan administratif, USCC ou pas empêcher le fait qu'il ne fallait rien la ramener là comme dossier. Mm-hmm. Okay, parce qu'effectivement, c'est un fonds qui a été débloqué par l'ONA pour construire une chaîne d'appartement, un village quelconque, et puis COBLA débloqué depuis 2018, et puis USCC... Projet n'a pas réalisé. Projet n'a pas réalisé, puis trace COBLA, USCC ou trace, que c'était particulier, chaque monde bon partir dans COBLA, chaque homme au COB. Maintenant, la question c'est que USCC qu'on a invité Dr. Reginald Boulos, qui n'est pas venu. Et puis, il demandait pour la police mener Dr. Boulos Bali en état. C'est là, il y a. Maintenant, pour une phase de mener enquête là sous ça, avec ça, vous le devant la justice, c'est que lui-même, ok, comme force réfractive sur le plan administratif, est-ce que la loi qui crée le CCA, c'est là pour nous regarder? Qui a dit que l'IG pouvoir ça? C'est ça le débat. Les visées et la linéa 2 de l'article qui articulé déjà, et M. Dilla, et non loi qui créait et ULCC1. Très bien. En tout cas, donc et puis, on a toujours rappelé que ça a été dans quatre batailles où on est politique entre le président Jovenel Moïse et le docteur Reginald Boulos, qui clair lui-même les ennemis farouches, donc juré du président de la République. Alors, on dit Louko une seconde, et c'est l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC qui va le pouvoir ça. Elle dit,
les gens s'invitent et que ou pas venir et que ou les connaît que ou doit venir et puis il a fait la police donc maintenant vini va à Bali. OK maintenant son dossier là maintenant nous va pas prendre cap suivre donc yeah. Là ici on organise ce débat. Louko en aucun cas et en aucun cas ULCC pas capable demander la police nationale pour arrêter. La police nationale travaille pour le compte du parquet de la justice. Ça veut dire que et directeur général ULCC connaît exactement ça pour le faire. La passer par parquet pour le capable faire procédure là. C'est le cas. Et bon, la cabane est mon problème de fusil. Mais comme un jour, ça pour nous surtout questionner les avis, c'est la loi qui crée. Donc, est-ce que la loi ça a l'autorité ça? Mais la nuance qui nous pote matin, comme un jour, c'est pas dossier que l'UACC qui est une enquête sous lit. Après ça, le résultat qui vient de l'île est nécessité pour le voler devant la justice. C'est que c'est l'UACC qui besoin d'entendre le président PDG compagnon. Tel dossier que déjà rien amène des dossiers pas clairs, des documents pas clairs, et que le président décide de pas venir. Et qu'on a lié du mandat pour la police, donc mener le président en état. Maintenant, lui a peut-être qu'on dit là, il a eu effectivement, il y a toute une chaîne, l'État supposé peut-être, est-ce que c'est le ministère de la justice qui a dû écrire? C'est le parquet. Encore, on a la loi qui crée l'UFCCA. Est-ce qu'il a demandé pour l'obliger de tout une article ça pour le temps de monde? Du moins, qui l'est tout, lui est capable d'arrêter parquet ou du moins demander parquet? Et la police national pas capable exécuter un ordre manifestement illégal. En tout cas, sous dossier Salouko, il y a un Office National d'Assurance Vieillesse, ONA, qui lui-même mettait une note dehors pour une date qui était 2 juillet 2021. Note là qui ça dit, l'Office National d'Assurance Vieillesse, ONA, condamne avec véhémence le détournement de ses fonds du montant $2 million américains par la société Real Business Investment SA, entreprise appartenant au sieur Pierre-Réginald Boulos dans le cadre d'un projet fictif de construction de logements sociaux à Fermat monté en 2018 en dehors des normes prescrites. Aussi supporte-t-il vivement les démarches de l'unité de lutte contre la corruption ULCC tout en invitant l'appareil judiciaire à se mettre en branle pour toutes les suites que de droit. Ça dit que tu as dit là? C'est Jem Lay, Marc, Jean-Baptiste, gade. Directeur général AI de l'ONA. Avant le coup, parler. Note ça d'ailleurs. Gon côté, même parce que notre travail est placé. Je vais te dire pourquoi. Ok. Qui est-ce qui introduit le dossier à USCC? C'est l'ONA. Bailou Gokloche. Est-ce que vous voulez? Il va être placé. Il n'est pas implacé, vous-même l'image, il n'est pas implacé. Alors, et ça, tu es malvenu là, c'est qui ça que ça? Octroyé par l'ONA. Qui est fait pour ça dans le projet? Maintenant, comment USCC fait qu'on est que Goma n'est pas normal? C'est encore l'ONA qui est obligé, donc, demander USCC pour garder tel dossier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que USCC n'est pas qu'à débarquer, comme si. Mais avec multitude de dossiers qui gagnent à l'ONA. Oui, il faut gagner des gens qui touchaient USCC. C'est clair. Le dossier a été introduit par l'institution parce que la première information doit venir de l'ONA. Non, mais non, même pas qui ça note la gagne de mal. Non, pour non. De Au contraire, notre là. Écoutez, disons encore plus. Voilà, lui appuyer l'institution, notre démarche pour permettre que lui rentre comme lui-même. Parce que nous sommes actionnaires dans le projet. Mais lui actionnaire dans le projet. Lui, c'est contre le projet. Non, c'est pas trop mauvais. On met comme un jour, lui, pas nécessaire. C'est pas parce que. Écoutez, qui ça vote en plus son dossier? Qui ça vote en moins son dossier? Alors, c'est pas poté, le poté. Mais alors, le poté. Qui ça le poté? Lui montre que, en tant qu'actionnaire, en tant qu'institution qui était bail comme blanc, et lui, li appuyé ULCC dans des démarches qu'a fait pour lui faire lumière sous fonds institution qui lui-même sorti dans des conditions douteuses. Le dossier a été introduit par l'ONA à l'ULCC.
Parce que l'UNC, c'est comme on a dit, matin, pas capable de débarquer pour nous parler dans multitude de dossiers qu'on a gagné pour tomber sur un dossier spécifique. Oui, mais pas oublier, on n'a pas capable. L'institution. On n'a pas capable de mission pour mener enquête et pour sous question de corruption. C'est ULCC, donc il peut appuyer par ULCC. Jusque-là, je suis d'accord. Voilà. Mais pour dossier à faire chemin de ONA vers l'ULCC, ok? Mm-hmm. Donc c'est ONA d'abord, c'est ONA d'abord donc, qui s'est premier concerné. Ouais. Maintenant, il y en a comme ça. Il va en mauvaise note, mm-hmm. Mais sauf que son attend plus. Ouais. Ok? Il va voter rien en plus dans le dossier, ni rien en moins. Donc mm-hmm. Au contraire, on a d'accord que justement que l'ULCC, donc poursuivre Regina Boulos, dans le cadre d'un prêt que fait la Kali et que je tiens, qui est considéré comme détournement de fonds. Mm-hmm. Donc c'est que ça. Et voilà. Et puis Gonzan Mila qui mentionne au bagage, qui dit que l'ULCC il fait conclusion pour demander et banquier fermé et bloquer compte actionnaire et puis fixer montant pour pénalité. Donc il y a action, il y a des bagages qui peuvent avancer là dans l'OCA. C'est sûr, parce que ça y travaille, l'UACP. Mm-hmm. Et où est-ce que l'UACP, dans notre parole, je dis que faut pas faire bon doute tempéré, dit qu'à prendre donc les mesures que le droit, donc que lui-même, lui qui a autorité, donc pour le faire, donc contre cette banque-là. En tout cas, son dossier n'a suivi, et peut-être que demain matin, nous allons faire de plus large analyse, parce que j'oublie que, je le dis là, et ça va faire deux entreprises dans la VI, là, d'abord, vous mis à ces 10 000 votes, et puis deuxièmement, là, donc, c'est Regina Boulos. Donc, et avec nos batailles politiques. Madame, c'est président Prévaldou. Madame, c'est président Prévaldou. Et qu'on sort. Madame, c'est président Prévaldou. Ça lié, monsieur, moi-même, c'est l'important et le coup des yeux de monsieur, on a tourné sous dossier pour nous garder loi créant l'ULCC qui pouvoir, parce que nous sommes, nous sommes loi ça là déjà, nous devons avec loi ça, qui pouvoir que le directeur général là, ou sous Claude Gassin, qui pouvoir que loi ça, loi 8 juillet 2014, lui-même ni bail et pour directeur général ULCC n'a pas pour nous venir la solide mais si tu veux dans le dossier ça et madame monsieur et là je dans le dossier ça oui pas oublier ULCC n'est pas seulement un rapport avec Haïti. Ils sont institutions qui en fait pratiquement gardien international parce que l'international là est pratiquement connecté avec ULCC. Mm-hmm. Dans le dossier ça pour nous comprendre est-ce que Blanc la guerre Jean Boulos c'est un dossier ça ça va être important. Est-ce que Blanc lagué Regina Boulos? Est-ce qu'elle lagué là? Est-ce qu'elle pas supporté lui? Oui, est-ce qu'elle lagué là? Est-ce qu'elle lagué? Oui, est-ce qu'elle lagué? Parce que depuis jeudi, alors information t'as fait quoi depuis jeudi? Et convocation était pour alors invitation était pour vendredi. Depuis jeudi, oui, monsieur a été aux États-Unis. De qui monsieur parle? Oui, Regina Boulos. Ça veut dire que ça veut dire que son dossier. Ah oui, donc son dossier. Son gros dossier. Mais que, comme on dit, nous toujours dit dans l'émission à débat, depuis nous avons traité tout ça, ils sont dossiers politico-administratifs. Ok? Maintenant, il faut regarder tout qui impact que ça a gagné sur l'avenir politique de Regina Boulos et même sur le parti politique MTV. Il faut regarder. Parce que, madame, monsieur, jusqu'à présent, nous avons eu des élections. Et il y a un gap de que pas d'élection, mais écoutez, dépendamment de qui est-ce qui vient premier ministre. Ok? Dépendamment de qui est-ce qui prend le gouvernement. Yeah. Parce que tout nouveau cabinet qui est monté là, tout ce qui est fait là, c'est en fonction des élections, des prochaines élections. Et qui a quoi qui joue tout, qui ça qui dit pour le gouvernement mettre sur pied? Maintenant, qui conséquence que ça a gagné sur le docteur Regina, sur la vie politique du docteur Regina Boulos? Qui conséquence que ça a gagné tout, donc même sur le parti politique MTV. En tout cas, on attend. Mais on n'a pas analysé, on a analysé beaucoup plus large demain matin, donc on a qu'à l'émission, on n'attendait pas. Maintenant, dossier décharge. Et là, c'est là, ZBD. ZBD. Ça a passé. ZBD. Ça a tombé. La question décharge, là, monsieur, et lui paraît. Un peu inconstitutionnel. Ok? Parce que nous connaissons des charges, comment nous venons des charges ici dans le pays. Mais, pas oublier tout, nous avons pouvoir que nous acceptons un président et que la dirige le diable à décret. Ouais. Faut pas oublier ça. Président. Oui, faut pas oublier. Et c'est un des toujours attiré attention Mounio sous et toujours. Toujours. Et le président a dirigé par décret, d'abord c'est Pierre Balil parce que si Pierre n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Mm-hmm.
Si il y a pas d'accord, il y a la police. Oui. Mm-hmm. Okay. Yeah. Si le président dit que je vais dégrader, tout le bagage est possible, dépendamment du feeling président. Mm-hmm. Oui. Mais ça, pour nous, il n'y a pas seulement le côté négatif, en fait. Il y a des gens qui ont seulement le côté négatif dans la question de décision du frère déjà. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui dévolent dans l'État, la gare, forcément, si bon. Ok. Mais écoutez, madame, monsieur, n'a pas parlé là. De 1991, oui, à 2018. Tu sais, c'est qui donc? Oui, nous comprenons ça, oui. Depuis 1991, et puis en 2018, en 2021, jusqu'à présent, et puis il y avait aucun fait le pays. Pour qui il n'y a pas fait le pays encore là? C'est fait en justice. C'est fait en justice. Alors, oui, oui. Mais ça, monsieur. Quel discours? Quel est le discours, monsieur? Nous ne pouvons pas entrer dans la logique discours, ça y est. Si on était dans l'État, l'Ivoire, l'État de 1991 à 92. Ok, je veux dire, nous sommes en 2021, pas jamais rien qui fait. Qui prononce contre lui. Ok, pour traduire une expérience de la justice, il faut l'explication sous gestion, comme autorité particulière dans le pays. Bon, nous, en 2021, qui est la fête là? Oui, alors, ça crive Louko Désir, et son dossier qui est aussi genre, compliqué, du moins, pour aborder. D'abord, c'est une décision inconstitutionnel parce que et constitution dit clairement comment question de charge doit bail, mais institution qui là, oui, son commission bicamérale qui doit commission parlementaire bicamérale qui doit créer pour travail sur question ancien premier ministre, ancien ministre qui fait chantage avec chaque bien tourné. Maintenant problème qui gagne en Louko Désir dans dossier ça, c'est que parlementaires yo utilisé pouvoir ça que yo et constitution en bas yo pour faire des blocages à des personnalités. Alors c'est ça qui vient arriver. Ou certes dossier li inconstitutionnel, mais quelque part l'on regarde façon dont yo utilisé pouvoir yo, ou est que li était problématique. Exemple Laurent Lamotte, Laurent Salvador Lamotte, monsieur gagne 4 rapports favorables, avis favorables que la Cour des comptes bali pour être capable de balayer des charges. Rapport favorable, aller dans le Parlement, ok? Monsieur Pajam penché sous lui. Monsieur Charles Jean-Jacques, monsieur a un avis favorable, la Cour des comptes Bali. Suggestion, oui. Oui. Ça va vous dire, on est qui a des charges là, dans des charges, on a dit, pour te bourrer, Jovenel Moïse, bah, là. Pour nous non péto caribé pour penser que on a dû les pas gros c'est péto caribé pas que non les tirs c'est pas oui il revient est-ce qu'on va parler là son non est-ce que alors est-ce que son décharge à immun na gain voilà non on va parler de décharge là on va parler de avis favorable. Écoutez, on ne décharge pas débouer ça que Jovenel Moïse par la commission de la République, on est qui dans dossier péto caribé. OK, ça va veut dire que on blanchit pas devant la justice dans quatre dossiers péto caribé. Donc qu'est-ce qu'il y a, ils font l'État 4 milliards de dollars, non? Ça va le dire ça. Attention, le juge Gamon, si monsieur baille une ordonnance, monsieur baille une ordonnance, quand il y a une ordonnance, il y a eu pour dégeler, ok, contre Mounzaïo, avec un conseil d'institution qui est impliqué dans le dossier de la République du Caribe. Maintenant qu'on est là, ce n'est pas fini. Maintenant, il y a eu appel. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a eu appel de la part de Maître Michel, André Michel, ok, qui rétorque quand elle demande pour que le dossier aille en appel. Okay. Mais maintenant, mis à part ce débat-là, Isaïe César, mis à part ce débat, madame, monsieur, mais côté positif, tout dans la démarche du président Jovenel Moïse. On a rien là dans le monde positif. Aujourd'hui, les données ont changé de politique. Parce que la vie politique qu'on y a dans le pays d'Haïti, Ngadouke, Livine, pour permettre que gagne d'autres acteurs. Ouais, c'est de la vie politique. Gosser des nègres loucos qui te gagne et rêve électoral qui te mouri. Ah oui. N'a pas là, presque de 300 à 400 mouris que Jovenel Moïse libéré là. Ah, Louko. 300 à 400 mouris que libéré. Bon, qui mouri. L'agronome Mathurin, au niveau du Sud-Est. Monsieur mouri avec rêve sénateur, lui. Non mais oui, méchanceté, oui. Mais non mais ancien ministre et d'agriculture. Monsieur. On est par exemple un coup, on est un coup par exemple un exchange. Ah oui. Pour un exchange, mon frère, qui était premier ministre. Mes amis. Si comment y a un exchange, tu souffres bien lui pendant toute ville là, pendant la dernière année là, c'est qu'ils sont déjà là. Ouais. Il hypothèque tout bien. Il est là pour tout, hein. Oui, il hypothèque tout bien, oui.
Oui, bien sûr. Maintenant, quel est l'autre monde tout qui devait continuer sa vie d'État à un niveau bien un autre, mais des charges à te bloquer, eh bien, je le dis, ça ne peut pas passer dans les élections maintenant à toutes. Ou bien, l'élection présidentielle qui va rien là. Qualité, quantité, candidat par rien. Alors, c'est des challenges qui sont bloqués. Oui, fon dit tout, et fon mette ti bémol là, c'est pas tout le monde de 91 à 2017 là, c'est tout le monde qui gagne un avis favorable de la Cour des comptes. Maintenant, Robert Malaval, Claudette Ouellet, Mounsa Ote, ancien premier ministre. Vous imaginez ça? C'est fait Mounsa Ote justice, tout bien Mounsa Ote justice. Non, mais monsieur, n'a pas les deux pays. Un pays qui est chita sous base la loi. Mais l'autre institution n'a pas fait travail. Le Parlement. Et pas parce que l'institution n'a pas fait travail. Qu'on y a pour ne violer la Constitution. Il revient au président de la République de veiller à la bonne marche des institutions. Non, mais veiller à la bonne marche des institutions, pas le dire tout. Et faire travail l'autre institution. Le Conseil des ministres. Ah non. Attention, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. C'est une pique ouest. Non, il y a la séparation des pouvoirs, monsieur. Chaque pouvoir, il y a un pouvoir par yo. Attribution yo, chaque pouvoir doit être capable de jouer wall yo. Maintenant, si yon faille à mission, li pa bay droit à l'autre là pour jouer wall la pour lui, non? Non, mais Ça vous donne de monsieur, faut bien avancer. Mais faut avancer. Imaginez-vous, 91. Faut avancer de la bonne manière. De 91 à 2017, ça fait combien de temps? Ok? Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose? On équipe mon importe dans le pays, ok? Qui finit sa vie d'État? Mes amis. Qui font question de décharge, vous avez un monde, 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 oui, mais ça fait Lugo, en plus, il faut aller pour ministre. Je vais prendre ça. Ça, dit me laisse. Oui, non, comment? Je vais prendre secrétaire d'État. Marési est un bon secrétaire d'État, mais ministre ne parle pas parce que il porte que bien. Monsieur, bonne émission qui est là. Merci à vous, Lucas. Au bon. Non, salut, madame Magali André. Donc, oui. Également, bonne fête donc à Frisline et Ladonis. Donc, c'est seulement Clin Ladonis qui m'a répondu salut aujourd'hui. Et bien là, monsieur, à tout à l'heure. Merci à vous. Voilà. N'a pas salué Rosa qui toujours fait débat avec nous aux États-Unis d'Amérique. Alors, monsieur, vous même me dire ça. Et parce que son dossier comme ça, il faut qu'on garde les des deux côtés. Oui, son injustice pour certains monde, des monde qui observent le pays, hein, et living poté ont peur la caille des citoyens qui ont même voulu servir pays, hein, mais pour qu'ils se déchargent, parce que quand on est bien, on va l'hypothéquer et on va pas utiliser, parce que décharge dans l'annuel, chaque année mon état depuis ou mon état servi chaque année de bal de maintenant institution yo. Problème ça que yo gagné, c'est pour exiger yo fait travail yo. Correct. Comment t'as fait depuis 91? Ça grave en pile. À un moment on a parlé à un parlement parce que les mêmes. Et c'est la mine comprendre. Et la mine comprendre et grief président de la République là. Les limandes pour annuler ou pour mettre sénat sur côté. Comment imagine ça Josué les questions? Non mais ça va chita. Ça va expliquer. Claudette Ouellet, Robert Malval et sinon t'as bloqué Charles-Jacques et plusieurs autres et Robert Malval et madame Claudette Ouellet. Moun sa seri peyi a, yo gen avis favorable de la Cour des comptes. OK? Yo pa gen ki gen avis défavorable. Exemple, gen gon nèg la ki gen problème et ki gen problème au niveau de la Cour et ancien ministre. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant qu'on y a là faut bali et comment dire ça arrêt de débat. Maintenant on y a deux monde pas gain avis favorable là c'est arrêt de débat pour bali. C'est ça? Ouais. Maintenant on y a là Titus c'est que il te font bonne question. Voilà. Maintenant on y a là les monde gain avis et monde gagné et avis favorable. Par exemple, un bon exemple, rapport et quatre rapports favorables. Mais les favorables contre avis favorable. Non, ça va faut que Sénat lui-même, c'est Sénat. Pas de problème. Mais mon gagné on en mais yo. Maintenant le Sénat gagné en mail. Le parlement gagné en mail. Mais qu'on a ça pour faire agir en tant que ça pour faire ça pour nous faire c'est forcer institution ça le parlement pour jouer Wally. C'est pas jouer Wally à pour Lia qui tout bagarre. C'est ça qui va imbécile qui va prendre. Maintenant, imaginez-vous. Non. Moi, je suis ancien premier ministre. C'est violation de la loi. Ok, c'est violation de la loi, mère. Oui, je suis ancien premier ministre. Yo, bon, moi, avis favorable. Je suis avis favorable maintenant même. Élection, faites mettre ça à élection. Tout bien hypothéqué.
tout bien hypothéqué. Il y a cette instance qui s'appelle le Conseil des ministres. Qui sont mm-hmm. arrêtés. Il n'y a rien de ça. T'as dit? Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun côté où il y a écrit que Conseil des ministres qui a fait une décharge. Non. Il n'y a pas aucun côté. T'as dit? Il y a des institutions qui concernent dans la question de décharge. C'est la Cour des comptes. Mais le fait que le pas fait, c'est pour le président faire institution ça au marché. Faire le marché, ça veut dire. Faire élection. Mais pour qui ça va attendre l'élection, le parlement et puis commission bicamérale. Il y a pas eu ça en attendant. Non, il y a pas eu en attendant pour aller à l'élection. Non, mais c'est. Il y a l'élection à l'élection. Si n'a fait pays, moi-même. Où est-ce que qui peut? Où est-ce que qui pas? M'bavle. Où est-ce que qui pas dans le niveau parlement? Qui pas m'bavle par mon décharge? M'bavle. C'est parce que va aller à l'élection. M'bavle, c'est pas. Oui, mais c'est là, c'est ça nous critiquer. Ah, mon cher. Mais c'est ça nous critiquer le fait que nègre a utilisé un pouvoir que qu'il lui gagne pour le faire mon habit, pour le faire mon du tort. C'est ça. Mais le faire institution de travail. C'est pas faire institution de travail dans tout niveau. Dans mon n'a choisi pour le représenter nous yo. C'est tout ça yo gagne rapport avec. Maintenant, et pas parce que institution pas fait travail li qui fait que exécutif là li capable jouer rôle et pouvoir judiciaire là, li capable jouer rôle pouvoir législatif là. Chaque pouvoir a gagné attribution, chaque pouvoir a gagné mission yo. Le fait que youn défaillant, le fait que youn pas jouer avec pas répondre à mission, ça pas bay l'autre là. D'ailleurs, pas grand pouvoir qui plus grand que l'autre. Mm-hmm. C'est trois pouvoirs. Yo pas dit premier, deuxième, troisième, non, trois pouvoirs. C'est-à-dire yo chaque gain attribution par yo pour faire l'état marcher, pour faire société marcher. Maintenant gain une qui pas jouer Wally. Non, le fait que le pas fait jouer Wally, c'est forcer le jouer Wally. C'est forcer pour le forcer le jouer Wally. Comment on a forcé le jouer Wally? Eh bien, avec des textes de loi. Parce que c'est l'état de droit nous dit n'a faire oui. Si n'a fait l'état de droit, faut que nous fait société à sous ça la loi dit. C'est pas sous ça moi même moi décider, c'est pas sous ça et pas parce que moi décision oui me trouver que c'est injustice et etc. mais oui ça c'est sentiment lié. Mais la loi dit on bagaille. Et dans le cadre d'un pays, c'est pas sentiment, c'est la loi. Dans quatre pays, c'est pas sentiment lié. Si c'est pour ça, monsieur. C'est la loi qui font pays. Et ben voilà, mais on applique la loi. Bon, nous pas qu'à virer tout, c'est marcher sous fiel constitution. Attendez-nous là. Constitution. Depuis le pays, ça a bien constitution. Et bon groupe moun en Haïti, dans le monde entier. Des bureaux des esclaves. Et les patrons, les grands patrons, je ne sais pas, tout le bourreau pays d'Haïti, yo, avec Haïtiens, en tout cas. Je me pose une question. Pardon, tu es dans le Parlement, ou tu es en commission bicaméral qui t'est formée, ou tu es au courant de ça? Oui, moi j'étais au courant. Moi j'étais au courant, mais. Et c'était une bataille. Alors, Gogoumé. Une bataille parce que on met une commission bicamérale l'a toujours gagné si le gouvernement a une majorité, l'a toujours gagné majorité à la dame. OK. L'a difficile pour majorité à la dame. Maintenant, ou ka wè que sous président Préval par exemple, t'es gon bagay plus ou moins. Gomba est plus ou moins. Mais lorsque depuis après le président Préval, comme si vous n'avez pas un équilibre là du tout, même si la présidence est majorité, majorité, hein, c'est. Alors, moi-même, qui ça? Par exemple, pendant que Isaïe 49e, tu as une tentation de mettre président. Ça n'est une tentative pour être capable accusé parce que après arrestation pour être accusé OK après arrestation Anel, alors c'était plus gros mouvement que tu as gagné ouais ça me dit là mais qui pas t'arrivé fait parce que normalement la présidence gagne tout moyen en main pour ça pas fait mais n'a pas les où est l'injustice. Il y a toujours un bout de lit.
ou moun ka toujours bénéficié ça qui a passé là. D'ailleurs pour la première fois le fait. Ça qui a passé là question bail. Alors il y a moun qui dit privalité fallu, privalité fallu. Non, c'est pas comme ça. Il y a un bagage qui échappe oui, c'est ça fait pas le faire. Non, Boniface tout non. Gouvernement Boniface n'a pas gouvernement prival là. C'est en transition. Ouais. Et j'en ai fait entre Boniface et la tortue. C'est quand comme t'as dit si alors ça me va le dire il pas conforme. Il pas conforme. Et son transition, est-ce qu'on me dit où? Et transition en TFL il pas constitutionnel mais il est légal. Expliquez ça. Il n'est pas constitutionnel parce que si il y a une transition, Josué, ce n'est pas constitution. Vous comprenez, ce n'est pas démocratie, ce n'est pas constitution, ce n'est pas pouvoir toi roche du feu. Donc l'illégal parce que lui-même l'itirel de façon légale qui fait là. Est-ce qu'on a appelé d'où? Ce n'est pas façon constitutionnelle. Pour la son série de accord. Hein? Pour ce accord qui fait. Et transition était possible. Donc à partir de l'accord, et vous savez avec l'accord là, pour de selon l'accord, c'est tel bagaille, donc il y a une baille de charge. C'est ça qui a été fait. Il n'y a pas de cas dit selon. Il n'y a pas de cas voyé dans le Parlement parce qu'il n'y a pas de Parlement. Maintenant, il paraît que tu as une première tentative. Parce que qui ça a tiré? Il a tiré président privé. C'est sous président privé qu'il a tiré. Effectivement, président privé, on connaît, il était dans le DGI, après ça, il devient ministre. Il était fait une première tentative pour être candidat. Je ne suis pas trop perdu 2008-2009. Et KEP en laissa, qui était dirigé par Franz Verret. Il a été rejeté candidat sur ça. Hein? Parlement vient d'entrer et bon, élection faite, c'était son tiers Sénat. Et président privé vient candidat, même époque avec moi. L'Amde Kabdou dans l'élection 2010. Effectivement, il y a un bagage qui était fait. Mais il y a un parlement. Pendant ma parole, je ne pas arrêter sur lui parce que je n'ai pas gagné en tête. Moi, est-ce que c'est le parlement qui était pour une décision? Mais un gomba gayo te fait qui pour permettre Mde Kabdou, président privé te retourner candidat encore au Sénat. En deuxième fois. C'est ça me pas rappeler exactement ça que tu fait. Est-ce que c'est dans le Parlement ou bien c'est président privé qui t'a fait ensemble avec le Parlement qui te font bagay. Mais de toute façon, ça me kabaye président privé, pour moi-même jusqu'à présent, pas bon bagay en dehors du Parlement, puisque le Parlement était là, bien vivant. Maintenant, dans le canapalé là, et son bagay catastrophique qui fait là, pour la première fois. Alors, moi je me pose peut-être une question. Pour qui ça? Parce que le président, comment qui va être paradoxal? Président Jovenel sont élus. C'est vrai qu'on y a nous qui doit dire c'était juste pour 7 février 2020. Donc ça veut dire année ça ou qu'on doit dire pas contrôler comme élu. Parce que jusqu'à présent on pas qu'à dire nous ce qui ça nous est là, ce qui style de gouvernement nous est là. Bon considérer président et Jovenel sont élus. Et c'est à partir de l'élection qui fait quelqu'un a chiffré bah là il défend mandat. Et ça veut dire là. Parce que je me suis dit, l'équipe président Jovenel l'a dit, mandat est fini, mais a continué. Il a dit que c'est mandat est continué. Ça veut dire, dans l'esprit, pas yo, c'est constitution et constitutionnel. Ouais. Ou, ma, son vieux cause, je m'a dit là, oui. Et d'ailleurs, bah, j'aime dire la constitution. Son vieux cause, je m'a dit là, oui. C'est tout sur l'autre article. Oui. Son vieux cause, je m'a dit là. Son vieux cause, je m'a dit là. Pour justifier que mandat président pour finir. Et puis voilà. Oui, mais son bagage, moi-même. Le principe pas que je vais accepter, mais m'a répété, puisque le fait c'est que là, et là, c'est parce qu'ils sont élus. Ouais. Bon, ok. S'ils sont élus, l'État doué. Vieux considération, en fait. S'ils sont élus, l'État doué considéré. Sénat là.
Parce que c'est pas lui même seulement qui est lui. Oui. C'est ça seulement que tu dis. Il est vrai que le Sénat n'est pas qu'à tenir une séance. Non, ils sont élus. C'est élu. Ça veut dire que c'est élu. Ça veut dire que nous avons même dit. Président Jovenel te ka servi chaque fois que moun dit comme ça. C'est comment on dit n'est qu'à diriger à gros point lui même seulement il te ka toujours dit et c'est dans là. Et le Sénat, ouais. Maintenant, on nous considère pour moun ka accepter parce que pas tout moun ka accepter ou bien majorité moun pas accepter ça m'a dit là. On nous considère président Jovenel élu plus gain 9 sénateurs en bas. Mais pour qui ça? Li gain majorité en bas. Et pour Bruxelles pas chiter ensemble avec vous pour prendre décision. Ouais. C'est là. Parce que nous on a dit toute bagaille. Si décision prend ensemble avec Sénat, il t'a gon l'autre force, oui. Non, là encore, il pas il t'a toujours inconstitutionnel. M'a considéré un bagaille moins doux. M'pas dans inconstitutionnel là. Moins doux s'il prend Sénat, c'est même genre avec un accord, c'est moins copier hier. Même genre avec un accord. Parce que c'est pas lui même seulement qui est lui. Ouais, faut donc prendre bagaille yo. M'quitter Sodia, m'te gen tan wel et puis m'di bon garder. Parce que si c'est où est lui. Donc constitutionnellement gon débat pas faire comme gon pile bagaille qui fait qui pas bon. Non, mais constitution, hein? Mais il y a 9 élus là. Pour qu'ils soient prêts à la décision, même seulement. Ouais, ou il y a une majorité dans les élus en bas. Et c'est ça, même nous là, oui. Ou il y a une majorité. Maintenant, pour qui ça, ou fait le gens fait là. Maintenant, mais il y a l'autre considération encore. Moi, ça, c'est moi-même. Parce que je réfléchis, je me dis, bon, si c'est ça, président, tu veux faire avec l'équipe là. Eh bien, il te gen doit attendre, m'te dit ça là jodi a, ou gen doit wèl pas faisable, mais n'a considéré ou bien n'a pas de vieux causé. Parce que nèg yo font bon causé. Yo même son bon bagaille yo fait. Nous même nous pas de vieux causé, nous parce que nous pas chef. C'est là pa parle n'a parlé. Bon considérer que président c'est ça le te vle faire ou bien Jean moun yo dit dans la il gen moun parle dans premier ministre, il te vle bail des charges. Eh bien, il était qu'à considérer deuxième semaine janvier. Alors. Il faut, non, compte, oui. Deuxième semaine janvier, il considérait le Parlement, Sénat fini net, et puis qu'on est assez lui-même seulement, et puis il fait. Parce que tout le Sénat là, José Mabdou en bagaille, ou qu'on ne doit pas d'accord, tout le Sénat là, comme élu, ou c'est élu, ou font bagaille ou écatel. Ça a toujours poursuivi vous. Ça n'a pas été bancal. Alors, quand on dit que le président René Préval te fait, et même pas le président Jovenel a fait là, mais pas après le président Préval là, tu es plus sélectif parce que c'est pour te permettre et ta cour privée et Jacques-Edouard Alexis à l'élection. Maintenant, on y a là, tu fais le conseil de poche. Li. Maintenant, ça, Jovenel a fait. Il n'a pas fait la palme. 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 Non, pas faire le parlement. Mais de toute façon, monsieur, et alors, son autorisation, il te fait qui c'est le parce qu'il n'y a pas de cas. Comment ils te font arrêter, ils te font arrêter tout. Ok, ils ont arrêté le défunt. En tout cas, sous question des charges, monsieur, je ne sais pas si après nous tourner avec débat, mais je vais mettre un doigt Alexis avec moi. Très bien, moi, je vais mettre un doigt administratif. C'est le doigt administratif. Là, qui ça le pensait de. Alors, d'abord, question des charges. Là, 11 heures, nous parlons de sénateur Fouesse et tout. Après, il dit le doigt là. Il y a le doigt là. Depuis à midi, midi 25, oui. Alors, mettre un doigt Alexis rapidement et nous parler du point de vue technique. Question des charges là, qui ça lié pour mon capitaine de là-haut et puis les grands commis de l'État, qui est-ce qui méritait, comment ça, comment yo bail processus de décharge là, comment ça fait? Ok, bonsoir tout le monde, ma question est très bien. Allô? Allô? Oui, oui. Vous très bien? Oui, oui, nous t'en oui là, on va aller. Ok, je vais saluer tout le monde à côté à côté. Donc, moi, vraiment content pour moi avec nous dans l'espace Samaria. Donc, il faut dire que effectivement selon la loi, les charges là sont là, vraiment très techniques. Et c'est peut-être ça, la constitution pays noir, ils mettaient ensemble de techniciens qui pourraient agir sur notamment la Cour des comptes. Notamment la Cour des comptes. Mais il faut vous dire que cette même constitution, le fait que le rôle mette pour certaines personnes, oui, Nice par exemple, à l'extérieur de l'État, que je ne décharge, c'est le Parlement qui peut faire des charges. Eh bien, du coup, cette série de décisions
elle est devenue politique. Ok. Ce qui fait que on pas capable de parler de décharge sans que on va tenir compte des aspects techniques et des aspects politiques là. Avant même que je rentre dans tout ça, détail, bon, applaudir et apprécier l'intervention que nous entendons là derrière du député. Député Tatout. Vous parlez, c'est que nous avons une situation exceptionnelle. Ça veut dire nous en dehors de la loi, nous en dehors de la constitution. Maintenant, si vous estimez une décision qui a fait sens, impérativement fort faire sous base de compromis. Alors pourquoi je rejoins parfaitement Pierre Tête à toutes, puisqu'elle y a des élus en bas là, pour au moins pas une petite classe légitimité à décision ça, qui tape louable, qui tape plausible, que ou chita avec monsieur. Là, m'applaudit des deux bras cette initiative que qui a battu à tout dit là. Et je pense que c'est une belle leçon pour nous, monsieur Oprin. Parce que l'on agit comme ça, déjà il y a un bruit que ou son dictateur féroce. L'on agit comme ça, ou montre vrai, le champ est libre devant et que l'on agit en pleine et entier dictateur. Qui pas bon au pays. Oui, nous sommes en situation d'exceptionnel. Il faut des solutions exceptionnelles. La loi et la constitution qui constituaient une sorte de handicap pour décharge à M. Damsayo, mais il faut que nous fassions aussi de façon pour ne pas causer ennui à la société démocratique que nous voulons construire. On a les nous parler pour qui est-ce qui méritait l'état, alors décharge dans l'état et qui est-ce qui institution qui chargeait pour Bayo. Ok. Nous avons deux grands groupes. Il y a les ordonnateurs et les comptables de l'unité publique. C'est-à-dire, depuis ces gens qui ont manié l'argent de l'État, depuis ces gens qui ont manié l'argent public, les deniers de l'État, eh bien, à la fin de gestion, vous supposez qu'il y ait des charges. Qui ça des charges là? C'est une action qui vous dit qu'il y a eu bonne gestion des finances publiques de l'État,